Les homophones. C ou C. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux homophones C, S'EST ou C, C'EST. Alors, les homophones, qu'est-ce que c'est? Les homophones, ce sont deux mots qui produisent le même son, mais qui n'ont pas le même sens et donc qui ne s'écrivent pas pareil. Ils nous posent souvent problème à l'écrit. Alors, les homophones C ou C. C, S'EST. C'est en fait ce, se, plus le verbe être. Le c, c'est, c'est en fait cela, plus le verbe être. Alors, dans une phrase, le s'est, on peut le remplacer par je me suis. Alors que pour le c'est, il ne change pas, on ne peut pas le changer, ça ne fonctionne pas. Dans la phrase, Tom s'est levé tôt. On va essayer de changer Tom s'est levé par je me suis. Je me suis levé tôt. La phrase a du sens, cela fonctionne, c'est donc bien le C-S-EST. Dans la phrase, c'est mon acteur préféré. On essaye de remplacer C par je me suis. Je me suis mon acteur préféré. Ça ne fonctionne pas, c'est donc le C-C-EST. Alors l'astuce, lorsque vous rencontrez C ou C à l'écrit, vous vous posez la question. Est-ce que je peux remplacer par « je me suis » dans la phrase « Léa, c'est ma meilleure amie ». Léa, je me suis ma meilleure amie. Ça ne fonctionne pas. C'est donc le C'EST. Entraînons-nous. On se rappelle que l'astuce est d'essayer de remplacer par « je me suis ». Alors, dans la phrase « il paraît qu'il s'est cassé le pied en faisant du skateboard ». J'essaie de remplacer « il sait » par « je me suis » et ça donne « je me suis cassé le pied ». La phrase a du sens, c'est donc le S'EST. Il paraît qu'il s'est cassé le pied en faisant du skateboard. Deuxième phrase d'exemple. C'est avec plaisir que je t'aiderai. J'essaie de remplacer par je me suis et ça me donne je me suis avec plaisir. Ça ne fonctionne pas, c'est donc le C'EST. Alors, tu as compris ?